Formé au début des années 1980 au Centre dramatique national de Reims sous la direction de Jean-Pierre Miquel, avec Christian Chiaretti, Fernando Becerril, Jean Bollery et Daniel Roman pour professeurs. Il intègre la troupe Antigone Théâtre Universitaire de Reims, avec notamment Jean Deloche et José Renaud comme metteurs en scène. Il a la chance d'être à la fondation d'un des rares groupes professionnels de théâtre universitaire en France à cette époque, et joue plus de 80 fois le mariage forcé de Molière dans la mise en scène de José Renaud. Il participe aux travaux d'ouverture d'une salle de 120 places dans l'enceinte du campus de la Faculté de Lettres de Reims-Croix-Rouge, le centre culturel du Crous de Reims. Toujours en activité aujourd'hui, il poursuit sa formation par des techniques spécifiques avec Serge Martin, clown bouffon fou du roi, Thierry Bay, mime corporel, Catherine Desté, jeu, Maurice Zatia, Alexandrin, et Anne Dubost, chant. En 1984 il est engagé par Jean-Claude Drouot, successeur de Jean-Pierre Miquel à la direction du Centre dramatique national de Reims, pour jouer dans Cyrano de Bergerac, et quitte les frontières de la Champagne-Ardenne pour résider à Paris. En 1986, grâce à Jacques Zabor, qui jouait le personnage du comte de Guiche dans Cyrano et qui l'engage pour participer à plusieurs spectacles dans le cadre d'une tournée de festival à Montpellier, Albi, Carcassonne, Aigues-Mortes, dont la création de Roméo et Juliette. Sa rencontre avec le metteur en scène et acteur Jean Negroni sera le début d'une longue amitié, jusqu'à sa disparition en 2005, ainsi qu'avec son fils David Negroni avec lequel il travaille toujours régulièrement au sein de la compagnie La Lune Vague après la pluie. De 1991 à 1995, il fut l'assistant de Lisa Wurmser en travail sur des auteurs russes, allemands et italiens tels que Vassili Aksionov, Alexandre Van Pavlov, Victor Slavkin, Nikolai Erdmann, Daniil Arms, Boto Strauss et Franco Brusati. Et il joue le personnage d'Alexandre lors de la création en France de la pièce d'Alexandre Galine, Les étoiles dans le ciel du matin, au Théâtre de la Tempête en décembre 1993. De 1995 à 2008, il participe régulièrement, tant en tant qu'acteur que metteur en scène, à l'aventure des rencontres à la cartoucherie créée à l'initiative de Philippe Adrien, directeur du Théâtre de la Tempête. De sa première édition en 1995, La misère du monde d'après le livre d'entretien du sociologue français Pierre Bourdieu, à sa dernière édition en 2008 dans L'Empire du moindre mal du philosophe français Jean-Claude Miché apporté à la scène par Michel Cochet. Depuis le début des années 1980, il a joué ou mis en scène une cinquantaine de spectacles, et participé à de nombreux films ou téléfilms.